Amis téléspectateurs, bonsoir. Jeudi, dans Rubicatisan, nous avons l'occasion pour nous faire un petit chita parler avec un plus ancien artisan dans le pays qui c'est Delouis. Mais juste avant que nous allions plus loin, nous avons une petite pause et puis nous avons. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde culturel, branchez-vous du lundi au vendredi à compter de 8h45 p.m. sur la Télé Pacific à l'heure de l'émission Écho des Arts. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, potin de star, tout est au rendez-vous à Écho des Arts du lundi au vendredi à partir de 8h45 p.m, reprise 1h30, 1h45 a.m, 7h30, 7h45 a.m. Écho des Arts, votre projecteur artistique. Merci parce que nous avons toujours été branchés télévision Paola. Derrière lui, j'aime te annoncer c'est un monde qui est plus ancien dans le monde artisanal. Mais t'as semblé pour derrière lui, Tonton Noël pas existé. Mais dans Zèv, il prouvait le contraire. Ça, c'est remarque pas. Eh bien, on a visité Zèv derrière lui. Bonjour Delouis, comment est-ce? Bonjour Télé Pacific. Qui est-ce qui Delouis? Nous avons fait parler téléspectateurs de monde qui Delouis. Bon, Delouis c'est un artiste haïtien qui apprend le travail à l'étranger. Nous fait 13 ans d'apprendre le travail. Après 13 ans, nous décidons de venir chez la Cano pour notre travail en Haïti. Alors comme c'est nous-mêmes celles qui viennent dans le pays, parmi tous les haïtiens qui ont appris le travail, moi j'ai décidé moi-même pour me travailler en Haïti. Mais je regarde Haïti là, je comprends. Tant pas propice pour tout le monde venir à Nissa. Donc, je ne sais pas s'il est en route, s'il est bloqué, est-ce qu'il va venir ou bien est-ce qu'il ne va pas venir du tout. Parce qu'il doit avoir des mains moi-même. Pendant qu'on dit que Tonton Noël ne va pas venir et que moi, je suis préparé pour recevoir Noël s'il t'a dit qu'il va venir aujourd'hui même. Donc, est-ce que dans mes outils, font-ils parler comme si depuis qui leur a fait travail ça? Bon, c'est un travail que j'ai fait depuis 1999. Je n'ai pas appris le travail. En Haïti, je suis dans une compagnie, je fais un série de travail, mais tout le monde a une crise en Haïti. Donc, moi, j'ai un partenaire qui voyageait, qui allait en Dominicanie, et puis je me suis décidé de envoyer une chercher un boss pour lui, c'est avec me livrer aller. Et je m'a livré, fait 13 ans, je monté descendre derrière, je vais prendre le travail. Quand il y a pas dire moi son artiste extraordinaire. Mais moi, je fais ça, je suis capable pour Tonton Noël, si Daddy l'a venu de me servir, je suis capable de me servir moi-même. Moi, je suis rentré dans le domaine à l'époque où j'ai fait artisanat, j'étais à l'école. J'étais un partenaire à l'aise avec lui. J'étais a fait entraîner de karaté. Et puis nous avons un local, nous avons entraîné karaté. Et puis les arrivés, nous avons mis un pile matériaux dans le local là, avec embarrassé nous. Le partenaire a décidé pour le faire taper, moi tranquille, moi dit non. Je parle avec moi, je comprends, et puis je dis bon, quitter le local là-bas, nous allons chercher l'autre local. Et puis je me regarde le travail dans York, je me dis, qu'est-ce que ça nous fait ça? Je dis, moi, c'est pour une compagnie qui a fait, une compagnie aux États-Unis, il travaille en Haïti. Pour une compagnie, puis il embarque dans le bateau, il va aller. Je dis, est-ce que nous ne pouvons pas montrer que je fais travail là-tout? Il dit, pour décider, on met venir, on va payer un goût pour ça. Et puis, comme ça, bon, on va aller à l'école à midi. Chaque matin, je apprends le travail. Chaque matin, je m'allais. Même quand je travaille, je ne connais pas une bourse, tout le monde dit non. Je paye le travail à Fedona. La compagnie a payé plutôt semblé pour être capable de faire le travail, pour être capable de payer le travail. On a réellement voulu me sembler. Chaque samedi, réellement, je vais acheter manger à la télé. Acheter manger à moi chaque jour. Et puis, chaque samedi, je paye. Bon, les Haïtiens m'ont noté. On était capable bien au moins 12-13 ans. Et puis, comme ça, la compagnie a venu, nous levé, aller dans la compagnie, aller avec moi à l'aéroport. Et puis, la compagnie a été venue comme ça, l'écraser. L'écraser, bon, tout le monde. Et puis, au congé prévu, et puis, tout le monde dans la rue. puis monsieur de Cécile pour le voyager lui-même. Ben monsieur dit voyager, me dit bon, qu'est-ce que tu peux aller? Ou alors madame elle dit non, on va aller en Dominicaine. Je dis mais bon, si elle a bon pour vous, donc allez. Et puis moi-même j'ai choisi de rester en Haïti, continuer l'école. Et puis monsieur rentré, monsieur rentré, il dit bon, patron dit comme ça, les besoins boss. Vous connaissez Jean-Mim Fedona, un second boss, vous allez avec lui, c'est avec moi aller. Je dis bon, pas de problème, on peut aller. Puis réellement vrai, je me suis levé là avec moi. Les mouvements de bois, en réalité, moi, je suis venu en Haïti, pas de artisan. Pas aucun Haïtien qui a fait rien pour décorer pour la nouvelle, vous voyez? Parce que les mouvements de bois, je connais mes boss, mais les mouvements de bois, moi, je ne suis pas boss. Raison, en Haïti, d'ailleurs, pour faire bête pour eux, il faut que sous une forme de barreau. Si dans la sous forme de barreau, si dans qui sous forme de silica, tu sors pas, vous voyez? L'autre bois, moi, je fais bête là avec bois coupé, cloué, coupé bois, centimètre, matos, cloué, fait bête là. Et puis je me dis, bon, ok. Tout travail au regardez là, c'est comme ça tout fait. C'est bois, clos. Depuis 90 ans, on voyage, les gens de bois m'a fait en Dominicaine. Dès qu'on fait en Haïti, mais c'est pareil ça. Il doit finir faire un travail, il va pas camper, il va casser, pour ça on met monter sur l'eau, puis à faire au chita, on va rien. On va ça capable. Si poto capable chita sur le soulever font photo ca font photos lui pas gain problème pas vrai ça relé Angélite donc son travail qui est nettement difficile pour faire comprendre les pour le fait là de ouais combien opération lien pour faire forme là pour faire zélio pour faire trompette là pour mettre trompette pour mettre tête à son monde va faire ça tête vrai ça son on s'appelle un albolite. Ça sont albolite, mais toujours on s'appelle on vend. Qui fait dans une autre forme. Pour une journée, si je fais albolite, pour une journée, à peine si je suis capable de faire 3 graines comme ça et puis terminer. Quand on joue une couleur ou by chaque, est-ce que c'est peinture washée ou bien une peinture spéciale pour ça? Non, pas une peinture spéciale pour ça. Donc c'est qu'on est qui fait, pas vrai? Ça sont peinture, même j'ai un peinture, même avec tout le petit. Donc la seule chose, on a une matière qui va se mettre sur lui, ça a les paillettes. Ça qui a les glitter en Haïti, mais en espagnol, on a les paillettes. Donc, ces paillettes-là, on fait une petite les premières paillettes-là sur lui qui permettent qu'ils éclairent comme ça. À qui ça on fait forme albolite? On fait forme avec bois, à liane, bois. On va regarder après ce qui est en dedans, son liane, ça qui est en bas, son liane, ça en bas, c'est liane, ça son liane et tout. Combien là? Bon, ça a deux types de lianes sur lui. Deux types de lianes, parce qu'on a liane pour faire sec là, et puis. Pour couvrir. C'est qui ça? C'est pour mettre sous tête? Oui, c'est étoile. Il doit mettre sous tête le tatou. Sous Pablo, il doit décorer avec lui, la caillou, il doit chercher petit cordou, petit ficelle, marre là, et puis pour qu'il y ait. Ça, c'est bon, bois et ouais, qui boit, ça a des bois de chaîne. Pas vrai? La seule chose, au gain pour. Parce que si on a tout fait, il faut qu'on fasse des choses. Pour qu'on épate à bois, égal, qu'on les bois ensemble, et puis on clouer dans le sens pour les gens. Donc si toutefois que vous avez levé le gars, vous avez une manière pour faire, puis pour faire le coller. Donc si c'est fil à l'égal, tu vas prendre, c'est clou, tu vas prendre là, et clouer le clou. Combien de jours prend pour faire ça? Bon, ça c'est pas difficile. C'est des choses qui prennent en 2-3 temps. Ok, qui boit une boîte de chaîne? Bon, nous achetons bois de chêne dans la province. Nous achetons bois en province, dans les paysans. Puis, même si nous allons tous dans les paysans, nous allons dans les paysans, nous allons l'argent, nous allons pour nous. Puis le café, un camion lion, le café, un camion bois, puis nous prenons un camion, nous allons chercher. Pour la clientèle là, bon, c'est année qui passée. C'était normal l'été, les cours sont pas capables de travailler pour faire une interview avec moi. Mais pour le moment donné, je suis capable de dire que ça a le découragement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de travail encore. Il y a des formes, les fêtes avec les gens. Lorsque on fait forme, la boule n'est pas finie. Les sacs qu'on a besoin de rien pour recouvrir la boule et pour le finir. Pour une journée, à peine nous sommes capables de faire. Si tu as fait forme pour faire boule là, tu as fait 3-4 boules pour une journée. Si vous avez un message ou vous voulez bailler avec l'autre monde qui t'a fait même travail avant, qui ça le tape? Bon, par exemple, quel message pour nous dès que nous avons décidé de faire travail là, donc les capables de faire travail là, mais en Haïti, pas des professionnels. Pas vrai? Moi-même, je ne bataille avec quelques grands monde pour moi, c'est me faire réaliser, montrer apprendre travail, mais pourquoi on pays à un petit gens réellement vrai dessus? Les Haïtiens, par exemple, si on a tout petit, les madames, les petites, les responsables, pas vrai? Apprendre à travailler, c'est pour les bails qui sont là, ça me demande de faire un an à travailler consécutif, pas vrai? Mais ça ne sont pas des moyens pour vivre, ou pas capable de gagner. Je remercie Télé Pacific, je dis merci parce que presque chaque année, je viens visiter, je viens regarder ensemble avec moi qui ça fait dans le pays. Alors, ce n'est pas Fatra seulement Pacific filmé, il filme Fatra, mais il filme pour bagarre. Ok, en tout cas, merci. Nous avons vécu l'autre bord. Exemple blanc, les parents me gardent au pile Fatra. Chaque fois qu'ils gardent au pile Fatra, ils disent oui, c'est Haïti, oui. Mais ils gardent ça, ils disent ah, Haïti va Fatra, ils changent de visage. Et nous avons le pays a changé de visage dans tout le corridor. C'est là qu'on a mis fin avec la rubrique qui c'était ATIZAN. Moi j'espère que Zèv Derel lui a fait un pile plaisir. Merci parce que nous toujours été branchés télévision Paola.